amis, j'espère que vous mettez la forme. Bon, je vais vous donner quelques nouvelles. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous pétez la forme. Bon, pour moi, le cas, ça va super bien, je prends la route. Demain matin, je vais... Pas demain matin, mais plutôt demain après-midi, je vais essayer de vous filmer. Justement... Oula, je suis en train de prendre une cigarette à une main. Je vais essayer de vous filmer comment je fais mon confinement. Mais je devais tout simplement vous donner quelques nouvelles, parce que c'est vrai que je vous donne pas assez de nouvelles. Après tout, ce que vous me devez, je pense que je dois vous donner des nouvelles, je pense. Bon, on est depuis lundi, mardi, mercredi, jeudi, on est au 5e jour de confinement. C'est vrai que c'est pas chouette, hein. C'est pas chouette du tout. Et je dis pas que je sors pas non plus, je ne sors pas, enfin, je rassure, je ne sors pas. Et en tout cas, je fais attention à moi-même de sortir quand il le faut, c'est-à-dire que je sors pour aller acheter des trucs très intéressants, tels que de la poisson, de la viande. Bon, c'est pas ça le souci. Déjà, le premier truc que je tenais à dire, franchement, c'est merci à tous ceux qui soutiennent les médecins, etc. Franchement, c'est une grande part de choses énorme. Je pense qu'on peut se le dire assez. Je vous donne pas assez de nouvelles, parce que c'est vrai que lundi, j'ai pas donné de nouvelles depuis lundi. Il y en a plein qui doivent se dire, ça y est, je suis crevé, etc. Bien au-delà de ça, je suis encore vivant. Alors, en tout cas, de ce que je tiens à dire, c'est que voilà, je suis encore... Il faut tenir la route. C'est tout ce qu'il faut se dire. Il faut tenir la route. Il faut respecter les règles et consignes. Bon, en tout cas, je vous ai montré ce qui s'est passé lundi. Je pense que lundi, ça a été pour moi, et je vous le cache pas, quelque chose d'assez inquiétant, flippant. J'appuie bien sur le terme du mot flippant, parce que en réalité, partager des images comme ça, c'est pas mon but, ça, hein. Bien au-delà de ça. Moi, tout ce que j'ai à dire, c'est franchement, les gens qui ne respectent pas le confinement, c'est dégueulasse de leur part. Voilà tout ce que j'ai à dire, c'est dégueulasse. Je sais très bien que le confinement, c'est compliqué. Je sais très bien que le confinement, c'est dur à vivre. Je sais que voilà, c'est compliqué de rester chez soi. Mais en tout cas, il faut respecter le confinement. Je dis ça parce qu'il y a plein de jeunes, des parents aussi qui laissent des fois leurs enfants torse nu, des trucs comme ça. Enfin bref, j'en ai vu des tonnes de choses. Et quand je vois ce genre de choses-là, ça me donne envie de péter un câble. Tu vois, j'ai pas envie de réagir sur ce genre de choses-là, alors que nous, on reste dans notre piole, quoi. On reste dans notre piole à rien faire en attendant que toutes les choses se passent bien. Et que voilà, qu'on essaie de s'occuper tel qu'on doit. Moi, je m'occupe comme je peux. J'ai une machine à vape, je vape. J'ai une console, je joue à la console. J'ai envie de lire, je lis. Je vais regarder un film sur l'ordinateur ou sur le téléphone. Je regarde le film sur le téléphone ou regarder des vidéos. Enfin bref, je vais pas dire tout un détail. Si j'ai envie de faire une vidéo, je fais une vidéo. Voilà, je sais que c'est compliqué. Je sais qu'on ne peut pas sortir. Mais s'il vous plaît, je vous en demande un simple et... supplication, de vous supplier de respecter le confinement. C'est comme si on te dit que quelqu'un que t'aimes bien va mourir. Tu dois choisir, tu vois. Tu penses qu'à toi, en fait. Et il y a plein de personnes qui pensent qu'à soi, qui pensent qu'à eux, et que clairement, ils pensent qu'à leur gueule, ils sortent, ils voient un brin de soleil, ils sortent, ils se font plaisir, etc. Non, c'est pas ça, le confinement. Le confinement, c'est de respecter la loi, c'est de respecter les choses. Il y a personne qui le fait. La plupart des gens ne respectent pas le confinement, ils ont du mal. Ils ont du mal et c'est dommage qu'ils ont du mal, parce qu'en réalité, pour ceux qui travaillent, ils peuvent se reposer, quoi. Alors qu'il y a des parents, ils ne respectent pas. Il y a certains parents, ils ne respectent pas. C'est dommage. Je comprends pas le délire qu'il y a des parents qui mettent leurs enfants dehors. Voilà, je comprends pas. Bon, en tout cas, c'est pas mon but. Je vous demande juste, avant que la vidéo se termine, respectez le confinement, respectez bien tout ça. Clairement, ça sert à rien d'aller plus loin. Il faut vraiment respecter le confinement. Voilà, s'il vous plaît. Vous aimez personne, ok, mais pensez à ceux qui veulent vivre. Laissez-les vivre, s'il vous plaît. Voilà. Bon, en tout cas, moi, je vous donne quelques nouvelles de ma part. Moi, ça va super bien. Je pète la forme, je vape, je fume, je fais tout ce que je peux. En tout cas, je suis très content de vous donner quelques nouvelles. Et puis, voilà. En tout cas, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous donne des nouvelles dès demain soir. Et voilà. Allez, à demain.